Bonjour et bienvenue sur letprof.fr. Donc aujourd'hui nous allons vérifier la stabilité de notre système. Donc cela a pour but de savoir si notre ordinateur est stable ou bien s'il perd de ses performances au fil du temps et savoir quels sont les problèmes justement et y remédier. Donc pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur démarrer et dans la barre de recherche ici de taper fiabilité. Voilà. Afficher l'historique de fiabilité, donc vous cliquez dessus, voilà, et une fenêtre s'ouvre en vous montrant un graphique avec justement la courbe de fiabilité. Donc là en jour, il y a en semaine, etc. Donc vous pouvez remonter assez loin. Voilà. Donc au début, quand le PC a été fait, jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc maintenant, si vous voulez, donc là on peut voir que la courbe donc est à son maximum, donc 10 ici. Donc effectivement, mon PC a connu une baisse puis est remonté. Voilà. Et vous pouvez avoir l'historique de chaque jour, des problèmes qu'il y a eu ou et de tout ce qui s'est passé. Donc par exemple ici, il y a une croix. Donc voilà, événement critique. Un fichier exécutable qui n'a pas répondu apparemment. Voilà, on peut afficher les détails. Voilà. Vous pouvez faire ça pour tous les jours. Et si vous vous apercevez que il y a une baisse de la courbe, vous cliquez bien entendu sur le jour et vous regardez ce qui ne va pas et remédier au problème. Voilà. Donc c'est un bon outil pour savoir si notre PC est stable, s'il est performant et s'il fonctionne bien. Voilà. En espérant avoir été assez clair, et je vous dis à une prochaine fois sur netprof.fr. Au revoir.